c'est justement de la mémoire. Et on a tendance à confondre la mémoire et l'histoire. La mémoire de la... Il y a plusieurs mémoires de la guerre d'Algérie qui ont été récupérées au fil du temps par des groupes politiques. Et donc aujourd'hui, on commence à commémorer, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire officielle sur la guerre d'Algérie, et on n'arrive pas à s'extirper de la mémoire pour faire de l'histoire. Alors ce qui est nouveau, c'est que les générations passent, et maintenant on peut arriver, à travers la commémoration, qui concerne tous les groupes mémoriaux, on peut arriver à faire une histoire de la guerre d'Algérie plus apaisée, mais qui reste très complexe parce que ce sont des mémoires traumatiques. Quels que soient les groupes qui sont partis, que ce soit les soldats, que ce soit les officiers, que ce soit les harkis, que ce soit les pieds noirs, ce sont des mémoires traumatiques, donc il est difficile de commémorer, ce qui pour l'État est une défaite en plus. Alors justement, l'actualité est en permanence braquée sur la guerre d'Algérie. On a vu la reconnaissance de ce qu'avait fait la France dans l'affaire Maurice Audin. Donc on a un président qui est jeune, qui n'a pas vécu les suites de la guerre d'Algérie. Et comme les générations passent et que les protagonistes commencent à raconter avant leur disparition, à leurs petits-enfants, à travers la commémoration est une entrée qui peut marcher. Mais le problème d'une commémoration, c'est qu'on fixe des dates. Et même les dates posent problème. Est-ce que commémorer le 19 mars, l'anniversaire des accords d'Évian, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça ne risque pas de faire oublier ce qu'il y a eu après? Et après le cessez-le-feu, tous les historiens l'ont expliqué, il y a des massacres. Donc certaines personnes ont peur qu'en célébrant le 19 mars, on oublie ce qui s'est passé après. Donc voilà pourquoi ça pose problème aujourd'hui.